Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Derrière moi, vous avez une carte d'Allemagne. Le grand fait du jour, c'est que les deux Allemagnes ont signé à Berlin-Est, en effet, et après une longue période de guerre froide, leur premier traité d'État à État. Nous sommes notamment aujourd'hui 11 ans après la construction du fameux mur de Berlin. Les conséquences du traité signé ce matin sont essentiellement d'ordre humain. Désormais, par exemple, les enfants d'Allemagne de l'Est, jusqu'ici séparés de leur famille, vont pouvoir rejoindre celle-ci en Allemagne de l'Ouest. De nombreux couples de fiancés, dont l'amour était comme tranché par les lignes de démarcation, vont pouvoir se marier. J'ajoute que les habitants d'Allemagne de l'Ouest, frontaliers de l'Allemagne de l'Est, pourront traverser la ligne de démarcation 10 jours par an sans formalité. Gérard Saint-Paul nous présente l'événement, son historique et ses conséquences. C'est en somme la fin d'une époque qui durait depuis la fin de la guerre. Il est midi à Berlin-Est. C'est un événement historique. À la signature, Monsieur Michael Kohl, que voici pour la République démocratique allemande, Monsieur Egon Bahr pour la République fédérale. Bonn et Berlin-Est échangeront des représentants permanents à défaut d'ambassadeurs. Les deux Allemagnes entreront simultanément à l'ONU en 1973. Pour en arriver là, il a fallu de nombreuses péripéties. Août 1961, le 13 au matin, tout le long de la ligne de séparation entre Berlin-Est et Berlin-Ouest, des détachements de l'armée nationale populaire mettent en place un dispositif de barrage. Le mur de Berlin va prendre forme en attendant les perfectionnements futurs. Walter Ulbricht et les autorités est-allemandes ont décidé, en accord avec les soviétiques, de mettre fin à la désertion quotidienne de quelques 2000 Berlinois de l'Est. Consternation à Berlin. Les alliés occidentaux ne bougent pas, personne ne veut courir le risque de déclencher une guerre nucléaire. Messieurs Khrouchtchev et Ulbricht ont réussi leur coup de poker. Ce mur est le résultat de la guerre froide qui sévit en Allemagne depuis 1945, depuis l'effondrement total du Troisième Reich. Voici les évasions les plus spectaculaires. En 1949, la zone occidentale d'occupation est devenue la République fédérale d'Allemagne et la zone soviétique, la République démocratique allemande. C'est l'Allemagne de la confrontation, les deux républiques sont sœurs ennemies. La République démocratique allemande s'est forgée une armée. Les unités est-allemandes ont maintenu les traditions prussiennes. Elles se sont aussi modernisées. Leur puissance de feu est l'une des plus redoutables au centre de l'Europe. Du côté occidental, la nouvelle armée ouest-allemande, la Bundeswehr, et les forces alliées font manœuvre commune. L'Allemagne est la poudrière de l'Europe. Après 20 années d'administration chrétienne-démocrate, Willy Brandt, l'ancien bourgmestre social-démocrate de Berlin-Ouest, devient chancelier fédéral à Bonn. Dans sa déclaration gouvernementale du 28 octobre 1969, le chancelier, pour la première fois, admet l'existence de deux États en Allemagne. Le 19 mars 1970, il passe aux actes. Il fait le voyage d'Erfurt en Allemagne de l'Est. Il va rencontrer son homologue est-allemand Willy Stoff. Cette poignée de main est la première entre les deux Allemagnes depuis la séparation. Personne n'osait y croire. C'est aussi le premier geste d'une longue suite d'enchaînements politiques, diplomatiques, que l'on appelle l'Ostpolitik de M. Brandt. C'est ici, à Erfurt, que tout a vraiment commencé. Chaque observateur qui s'y trouvait a senti nettement que quelque chose se mettait en marche. La population d'Erfurt réserve un accueil enthousiaste à Willy Brandt, celui qui vient d'en face, celui qui a accepté de briser la glace. C'est peut-être à cause de l'accueil d'Erfurt que le chancelier n'a pu se rendre à Berlin-Est aujourd'hui. Mais il ne faut pas perdre de vue que ce rapprochement n'est pas un miracle. Il se fait avec l'assentiment des quatre puissances victorieuses de 1945 qui paraphent le 3 septembre 1971
le fameux accord de Berlin. Car tout le monde, en Europe, a intérêt à voir s'installer la détente. Par application anticipée de l'accord à 4, le mur s'est entrouvert pour les fêtes de Pâques. Les Berlinois de l'Ouest sont autorisés, après avoir effectué les formalités nécessaires, à rendre visite à leur famille à Berlin-Est, après 9 ans de séparation. France, M. Messmer était aujourd'hui dans la région Poitou-Charentes, but de son voyage, l'étude des équipements de santé. Le chef du gouvernement était accompagné de M. Foyer, ministre de la Santé, et de Mlle Dienesch, secrétaire d'État à l'Action sociale. Ils ont visité de nouvelles réalisations hospitalières et sociales, et maintenant, pour voir comment cette journée s'est déroulée, j'appelle sur place notre envoyé spécial sur ce voyage, Alain Fernbach. Attention, à vous, Alain. Froid et brouillard. Rochefort, Royan, Poitiers, ce sont les 3 étapes de la visite du Premier ministre en Charente-Poitou. Journée d'études consacrée essentiellement aux problèmes hospitaliers. Le Premier ministre a visité 3 nouveaux hôpitaux, 1 école d'infirmières, 2 foyers d'handicapés, mais surtout posé 3 pierres de 3 futurs centres hospitaliers. Au cours de cette journée, le Premier ministre a voulu montrer que la politique de son gouvernement dans les domaines de la santé publique et de l'action sociale, était une politique concrète. Que s'il existait encore des hôpitaux vétustes, ils étaient progressivement remplacés par des centres hospitaliers modernes à l'échelle de l'accroissement des villes. Le Premier ministre a également rencontré des militants locaux de l'UDR. Il les a appelés à la cohésion et à la discipline pour les prochaines batailles électorales. Enfin, devant les notables de Poitou-Charentes, le bilan de cette journée avec une allusion à l'enjeu des prochaines élections. Tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai dit au cours de cette sympathique journée dans la région de Poitou-Charentes a pu paraître austère et technique, puisque mes visites ont porté essentiellement sur des établissements hospitaliers ou sur des établissements techniques. Tout cela a pu paraître austère et technique à un moment où, au prix d'une active propagande, certains veulent faire croire aux Françaises et aux Français qu'il suffit de rédiger un programme commun pour résoudre les difficultés ou qu'il faut battre des mains en cadence dans une atmosphère de fête pour apporter des solutions. Gouverner un pays comme le nôtre, comme la France, est une entreprise autrement sérieuse et autrement difficile, qui exige connaissance et compréhension des dossiers, volonté, ténacité, autorité et aussi confiance de la part des citoyens. C'est une affaire de responsabilité de tous les instants, et de choix qui sont toujours délicats et parfois difficiles. Cette action n'est féconde que parce qu'elle traduit une orientation capitale donnée par le président de la République au gouvernement et que celui-ci a mise en œuvre avec le concours et sous le contrôle du Parlement. Hier, l'Assemblée nationale a tenu la dernière séance de la législature. Les députés participant à cette large majorité, née au lendemain des désordres de 1968, confirmée et renouvelée dans sa cohésion et son inspiration par l'élection du président de la République en 1969, peuvent être fiers de l'œuvre à laquelle ils ont été étroitement associés. Nous sommes sûrs que dans ce département de la Vienne, dans la région Poitou-Charentes et ailleurs aussi, les électrices et les électeurs sauront manifester leur confiance à tous ceux qui, au fil des jours, construisent la France de demain. Vous qui êtes ici, vous qui êtes dans tout ce département de la Vienne et dans cette région du Poitou-Charentes, vous reconnaîtrez ces hommes au cours des prochaines élections au fait qu'ils se déclarent résolus à soutenir l'action du président de la République.
Avant de quitter Poitiers, M. Mesmer s'est rendu dans plusieurs magasins pour regarder si les commerçants appliquaient déjà la baisse des prix. Le Premier ministre vient d'évoquer, vous l'avez entendu dans son discours, la fin de la session parlementaire d'automne et aussi, bien entendu, la fin de la législature pour les députés. En effet, ce fut la nuit dernière l'ultime séance de l'Assemblée avant les élections législatives des 4 et 11 mars prochains. Hier, nous vous avions présenté un extrait du discours de clôture du président de l'Assemblée, M. Peretti. Ce soir, vous allez entendre le discours qui a été prononcé par le président du Sénat, M. Alain Poher, mais au Sénat, c'est la fin d'une session et non pas d'une législature. Le président Poher. Je dois en toute sérénité, mais en toute franchise, vous faire part de l'inquiétude persistante, pour ne pas dire croissante, que je ressens devant l'évolution de la démocratie représentative en France. Je dirais tout net que je considère que cette évolution peut nous poser de très sérieuses préoccupations. Pourquoi vous cachez, mes chers collègues, que ces préoccupations tiennent au fait qu'entre le Parlement représentant le peuple, donc la souveraineté nationale, en vertu de l'article 3 de notre Constitution, et le gouvernement représentant l'État, le dialogue n'est pas libre et l'échange plus très franc. J'admets bien volontiers qu'il était sans doute nécessaire d'éliminer certaines habitudes politiques d'autant plus néfastes qu'elles étaient devenues quasi inconscientes. Mais aujourd'hui, on est bien obligé de constater que le gouvernement abuse des moyens de procédure exceptionnels qui ont été mis à sa disposition par la Constitution de 1958. Le peuple français et ses représentants ne pourront, sans inconvénient grave pour le pays, être traités éternellement en mineurs. Le bilan de la session parlementaire a été évoqué également ce matin au cours d'une conférence de presse par M. Robert Boulin, ministre chargé des relations avec le Parlement. Il a aussi parlé de la campagne électorale et de l'action de la majorité durant cette campagne électorale en prévision des élections législatives. Bien, je suis content de la session parlementaire, car on a donné le sentiment, à un moment donné, que cette majorité était tout à fait désunie, qu'elle se querellait. Eh bien, elle a donné l'impression, plus que l'impression, même dans la réalité, qu'elle était parfaitement unie au Parlement, puisqu'elle a trouvé le moyen, au cours d'une session budgétaire, je vous le rappelle, de voter 64 textes de loi. Elle l'a fait sans drame. On avait peur d'une certaine nervosité de ce Parlement à la veille d'une échéance électorale. La majorité s'est parfaitement bien comportée. Elle a travaillé et elle a voté des textes. Et par conséquent, je suis tout à fait satisfait, pour répondre à votre question, de cette session parlementaire. Vous aviez annoncé il y a à peu près un mois que la majorité publierait une plateforme électorale. Alors où en est-on? Oui, il y aura un certain nombre de documents qui vont être publiés, mais rassurez-vous qu'ils seront simples, faciles à lire. Ce ne seront pas de ces gros livres de poche, rouges ou noirs, que personne ne lit et qu'on promène. Nous essaierons de faire des choses simples qui consisteront à annoncer, en effet, pour l'avenir, un certain nombre de promesses, à faire un bilan, et à indiquer ce qui peut nous unir les uns et les autres dans la majorité qui est diverse, mais qui a une plateforme, en effet, qui est commune. Et l'ensemble de ces documents va être élaboré, diffusé, donné d'abord aux candidats eux-mêmes, et ensuite, sur l'ensemble du pays, nous répandrons ces documents et nous indiquerons qu'il y a en effet une plateforme, une cohésion de la majorité et une certaine dynamique que nous essaierons de démontrer aux échéances du 4 et 11 mars prochain. Vous avez une date pour cette plateforme? Oui, les premiers jours de janvier. Monsieur Marc Loriol, ancien député d'Alger, a commenté aujourd'hui dans une conférence de presse sa candidature pour le compte de la majorité dans les Yvelines. Elle a une valeur d'exemple, a-t-il dit, et elle répond aux souhaits de réconciliation nationale formulés par le président de la République. Monsieur Loriol a répondu à Monsieur Rocard dans les termes suivants, je cite, « Monsieur Rocard qualifie les rapatriés de colonialistes, c'est particulièrement indécent, s'agissant de ceux qui ont connu le malheur et ont surtout besoin d'être aidés. » Fin de citation. À la RATP, les négociations salariales pour 73 ont abouti à un accord. Les syndicats Force ouvrière et les syndicats autonomes ont signé un accord, donc pour l'an prochain. La CGT, la CFDT réservent pour l'instant leurs décisions et vont consulter leur mandat. Nous revenons aux grands problèmes internationaux. Vietnam, sur le plan diplomatique, ce matin à Paris, les représentants du Nord-Vietnam et du GRP ont quitté la séance plénière
de la conférence sur la paix pour protester contre la reprise des bombardements américains. Sur le terrain, eh bien, ma foi, on ne sait pas encore si Saïgon va faire la trêve le jour de la Noël, mais le Viet Cong annonce 2 jours de trêve, le 25 décembre et le 1er janvier. Les B-52 américains ont continué leurs actions. Hanoï a été bombardé aujourd'hui et ce pour la 27e fois depuis lundi. Cependant, le bilan des superforteresses volantes B-52 abattues est lourd. 12 de ces appareils depuis lundi, dit Hanoï. Le commandement américain reconnaît en avoir perdu 6. Or, le Nord-Vietnam annonce « Nous ne craignons pas les B-52, ils ne nous intimideront pas ». Qu'est-ce qu'un tel appareil? Comment peut-il marcher? Comment peut-il voler? Comment peut-il agir? C'est ce que va nous dire Michel Bader. Certes, Américains et Nord-Vietnamiens ne sont pas d'accord sur le nombre de B-52 abattus. Une seule certitude cependant, plusieurs de ces strato-forteresses ont été victimes de la DCA vietnamienne. Cet avion américain avait été conçu pour servir dans le cadre d'un conflit contre une éventuelle grande puissance. Il était le fer de lance du Strategic Air Command. Son premier vol date d'avril 1952 et le premier appareil de série est sorti des usines en août 1954. Il mesure 53 mètres de long et son envergure est de 62 mètres. Sa hauteur est de 13 mètres, comme un quatrième étage. Il peut atteindre un objectif situé à 8000 km de sa base de départ et y retourner. Sa vitesse n'est pas excessive, seulement 1040 km à l'heure à une altitude de 18 000 mètres. Mais il peut également voler très longtemps à très basse altitude, seulement 100 ou 200 mètres, pour échapper au radar. Son chargement de bombes est de 20 tonnes, plus du double que la superforteresse B-29 de la dernière guerre à Hiroshima. Son poids au décollage en pleine charge est de 221 tonnes que ses 8 réacteurs arrachent du sol grâce à une poussée de 54 tonnes par moteur. Particularité du B-52, son système de visée par infrarouge et son télémètre à laser. Il est également équipé d'un système capable de brouiller les radars de défense et, le cas échéant, de bombes guidées par télévision. Le B-52 avait une réputation, à être invulnérable. Il a perdu cette réputation au-dessus de Hanoï. Les Nord-Vietnamiens lui opposent une fusée sol-air SAM-2 de fabrication soviétique et sans aucun doute aussi un système électronique de recherche de l'objectif que les Américains ont du mal à brouiller. La fusée SAM-2 porte une charge explosive de 130 kg. Elle mesure 10,70 m. Le diamètre de son premier étage est de 70 cm. Celui de son second étage est de 50 cm. Elle est télécommandée par radio et monte vers sa cible à 2300 km à l'heure. Elle peut atteindre un objectif à 18 000 mètres d'altitude, très exactement celle du B-52. À l'appel de 52 organisations françaises agissant en commun contre la guerre au Vietnam et du Front de solidarité d'Indochine qui regroupe une dizaine d'organisations d'extrême gauche, plusieurs milliers de personnes se sont réunies vers 18h30 place de la République à Paris pour protester contre la reprise des bombardements sur le Nord-Vietnam. Les manifestants voulaient se diriger sur le Père-Lachaise, lieu de dislocation du défilé. À Moscou, M. Brejnev, secrétaire général du Parti communiste du RSS, a prononcé un discours de plus de 4 heures pour le cinquantenaire de la Constitution de l'Union soviétique. Il a abordé tous les points, Vietnam, Chine, États-Unis, économie soviétique. Victor Vraiment nous parle de Moscou. Ce qui est certainement nouveau, c'est cette phrase de M. Brejnev. Nos relations avec les États-Unis dépendront de la tournure que prendront les événements, et en particulier les événements au Vietnam. C'est sans doute la première fois que M. Brejnev affirme que l'avenir des rapports soviéto-américains dépendra de la politique américaine au Vietnam. Et c'est surtout là qu'il faut voir un durcissement relatif de l'attitude soviétique. Mais seulement relatif, puisque M. Brejnev n'a pas expliqué ce que compte faire l'Union soviétique actuellement, dans l'immédiat, pour répliquer à cette reprise des bombardements américains et pour engager les États-Unis à accepter une solution politique au Vietnam telle qu'on la souhaite à Hanoï. Durcissement aussi, mais qui n'a rien de relatif cette fois dans les rapports avec les Chinois. Ce fut d'ailleurs une surprise. M. Brejnev a annoncé que l'Union soviétique avait proposé un pacte de non-agression à la Chine, interdisant en particulier
l'utilisation des armements nucléaires, mais M. Brejnev n'a pu constater qu'une seule chose, les Chinois ont refusé de conclure ce pacte de non-agression. C'est certainement sur les problèmes européens que M. Brejnev s'est montré le plus optimiste, en constatant que l'atmosphère s'était beaucoup détendue depuis la signature du traité avec l'Allemagne fédérale. Et lorsqu'il a parlé de la coopération avec les pays européens, il a insisté sur la coopération franco-soviétique. M. Brejnev s'est même montré un peu trop optimiste, peut-être, en demandant que la conférence européenne de sécurité se réunisse dans la première moitié de l'année prochaine. À Bruxelles, la nuit dernière, une décision très importante pour l'avenir de l'Europe spatiale a été prise par les ministres de la recherche scientifique des pays du marché commun. La NASA européenne est en bonne voie, de même que la collaboration avec les Américains. Michel Chevalet, qui a suivi à Bruxelles les travaux des ministres, nous explique l'importance de cette décision. Attention, Michel Chevalet, à vous, Bruxelles. Fusée ou navette? Jamais en 10 ans d'existence de l'espace européen, les positions ne furent si contradictoires. Et pourtant, hier soir à Bruxelles, les pays membres de l'espace européen sont arrivés à un accord. Et quel accord ? Ils ont créé ce que l'on attendait en vain depuis 10 ans. Ils ont créé une organisation spatiale européenne unique. Autrement dit, ils ont créé la NASA européenne. Cette NASA va donc enfin regrouper l'Europe des lanceurs, l'actuelle ELDO, et l'Europe des satellites, l'actuelle ESRO. Cette décision est donc capitale, car il faut bien le reconnaître, les Européens détiennent le triste record de construire aujourd'hui les satellites et les fusées les plus chers du monde. Ainsi, en 10 ans, ils n'ont pas réussi à mettre au point cette fusée, c'est-à-dire Europa 2. Coût de l'opération, 600 millions de dollars, soit 3 milliards de francs. En somme, jusqu'à présent, les Européens dépensaient beaucoup d'argent pour peu de résultats. Avouez qu'il y avait de quoi s'inquiéter, de quoi s'insurger, et ce n'est pas faute à certains pays comme la France et l'Allemagne d'avoir voulu sortir l'espace européen du bourbier dans lequel il s'enlisait lentement. La France voulait par exemple que l'Europe se dote d'une superfusée afin d'assurer son indépendance vis-à-vis des deux grands de l'espace. L'Allemagne, au contraire, voulait qu'on y renonce, jugeant l'opération trop chère et surtout inopportune. Elle voulait jouer la carte de l'avenir, la carte du programme post-Apollo, la carte de la navette. La navette, c'est ceci, cet engin fabuleux, mi-fusée, mi-avion, qui relèguera dans 8 ans au rang de curiosité nos fusées. Mais la coopération à ce programme post-Apollo va en fait se limiter qu'à un seul laboratoire, un laboratoire qui sera transporté par la navette. En somme, de cette navette, les Européens ne construiront que la charge utile. Ainsi, hier à Bruxelles, on a donc dû rapprocher 2 conceptions diamétralement opposées de l'espace. En somme, on a troqué un bout de fusée contre un bout de navette. En résumé, sous l'égide de la future NASA européenne, l'Allemagne va donc construire le laboratoire de sortie. Coût de l'opération, 1 milliard 375 millions, dont 40% financés par elle. Et la France va construire sa superfusée, coût de l'opération, 2 milliards 750 millions, dont 60% financés par notre pays. En somme, on fait une Europe à la carte et non au menu. Si vous attendez des amis qui devaient arriver par avion à Orly, ils auront peut-être un peu de retard, excusez-les. En effet, il y a eu une grève surprise des bagagistes d'Air France. On attend les bagages pendant assez longtemps et il y a même eu des vols moyens courriers qui ont dû être supprimés. Ce soir, à 21h20, sur cette même première chaîne, 24h sur la Une, vous présentera Plein Cadre, l'émission de Jacques Alexandre et de Jacques-Olivier Chatard, réalisée par François Moreuil. Au sommaire de ce numéro de Noël, 2 aventures exemplaires, celle de 2 Français, 2 aventures humaines, l'une en Afrique, l'autre tout près du pôle Nord. Plein Cadre. À l'approche de Noël, ce soir, Plein Cadre sur 2 hommes, 2 hommes de bonne volonté, 2 aventures vécues par 2 Français, loin de la France, 2 vies, aux antipodes l'une de l'autre, mais toutes 2 exemplaires. Au Gabon, Jean-Claude Brouillet, c'est l'homme qui a mis sur pied, à force d'entêtement et de ténacité, la Compagnie Nationale d'Aviation Gabonaise, 50 avions, qui transportent aujourd'hui plus de 20% de la population. Il a 20 ans en 1945 lorsqu'il arrive à Libreville avec un brevet de pilote, mais sans un sou.
Il commence avec un camion, puis avec l'aide des forestiers et des Gabonais. Il achète un avion, puis deux, qui font le transport du matériel, des malades, du courrier au-dessus de la brousse, pour aboutir aujourd'hui à une véritable compagnie. Au-delà de l'anecdote, c'est le portrait d'un homme dont l'activité a profondément transformé le mode de vie de tout un pays. C'est une autre aventure que Pleincadre est allé filmer aux confins du pôle Nord, celle du père Lemeur qui vit seul au milieu des Esquimaux. La préparation de Noël est l'occasion pour lui de réfléchir à son rôle, de faire un bilan de cette expérience exemplaire. Que faut-il penser de l'évangélisation des Esquimaux qui avaient leurs coutumes, leurs croyances? Ou bien le père Lemeur est-il avant tout un homme qui a décidé de venir en aider d'autres, plus isolés, plus défavorisés, qui vivent coupés du reste du monde dans la nuit polaire? Que pensent les Esquimaux du père Lemeur? Ont-ils vraiment adopté celui qu'ils ont surnommé Okreyo-Alouk, celui qui parle bien? Juste avant de vous quitter, je vous rappelle notre rendez-vous quotidien avec le sourire de Thierry Leluron, qui a vu pour vous les programmes de ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci.